toujours sur les bons coups. Les muffins. Là. Alors attendez, je vais couper la part de Maya et la part de Thomas en deux. Ouais, parce que désolée je sais les que... amis. Alors, petit muffin aux pommes, mais alors, tu as intégré la compote de pommes à ta pâte. Parfaitement, ce qui va apporter énormément de moelleux. Vous pouvez goûter, messieurs. Donc, ça apporte énormément de moelleux. Et surtout, ça remplace une partie des œufs. Donc ça l'allège également. Très bon. Alors qu'ils ont avec le petit cœur coulant au chocolat, coulant au chocolat vous vrai, vous souvenez très moelleux. Voilà, le petit cœur au chocolat, les garçons, vous savez comment j'avais fait? Vous vous souvenez ou pas? Vous n'avez pas suivi du tout la recette, en fait. Rien du tout. Un petit cœur au chocolat. C'est vrai, juste un carré de chocolat, mais fariné. Oui, fariné, pourquoi? Pour pas qu'il tombe au fond. Bravo Maya. Bah, Maya va nous en faire pour l'enjeter là. Hein. Oui, pour la semaine prochaine. Ouais, bravo Maya, t'as bien écouté. Bah oui, bah, c'est très très bien. Bravo. Allez, bon, petite astuce. Alors une petite astuce. Alors là, c'est pas une petite astuce, c'est une astuce de grand chef étoilé. Ouh, attention. Et oui, c'est pour décorer un petit peu vos assiettes. Ah oui, je me la pète un peu là. Vous allez voir. Je vais préparer avec des jaunes d'œufs, des jaunes d'œufs confits. Action. Je vais vous montrer. Alors, on a clarifié les œufs, donc on a uniquement les jaunes d'œufs. Ouais. Dans un moule à cake, je l'ai rempli de gros sel. Je vais constituer des petits puits avec le fond. Écoutez, les garçons. Des petits puits avec la coquille. Ouais. Je verse mes jaunes d'œufs. Ah, d'accord. D'accord. Dans le gros sel. Il va confire avec le sel. Je recouvre de gros sel. Attends, tu vas pas le casser, là. Tu vas voir. Absolument pas. Absolument pas. Ensuite, alors c'est un travail de patience. Ça va cuire dans le sel, c'est ça? Parfaitement, Maya. On le laisse 2-3 jours dans le réfrigérateur. 2-3 jours. Mais tu vas voir. Oui, 2-3 jours, c'est pour ça que je dis que c'est un travail de longue haleine. 2-3 jours dans le réfrigérateur. On réalise des petits trous. Hop là, pour laisser s'échapper un petit peu l'air. Oui, des petits trous. Tu vois, des petits trous avec la fourchette. Non, pas du tout. Non, t'inquiète pas, c'était la fourchette que j'avais utilisée. Non, t'inquiète pas. Voilà. Et ensuite, donc, on les rince sous l'eau claire, donc sous l'eau froide. Au bout de 2-3 jours. Au bout de 2-3 jours. On les ressort comme ça, ils vont être solides. On les ressort, ils vont être solides. Et ensuite, on les laisse sécher 3 heures à 70 degrés. On obtient, mais complètement, on obtient des œufs comme ceci, tu vois, comme des abricots. Et ensuite, les grands chefs, qu'est-ce qu'ils font? Ils râpent cet abricot sur des risottos ou sur. Tu sais, un peu comme la poutargue. Ah, d'accord. Donc, c'est légèrement salé. Tiens, goûte juste un petit pétale. Parce hop là, si voilà. Trop, mais attends, c'est légèrement. C'est décoratif ou ça va. Ça va parfumer un petit peu le. Ça va parfumer délicatement. Ouais. Non, c'est du sel aromatisé au jaune d'œuf quand même. C'est ça. Mais c'est une vraie astuce de chef. Donc, vous pouvez la refaire chez vous. C'est très, très facile à réaliser. C'est bluffant. Pour épater ses amis, c'est pas mal. Pour épater ses amis, c'est pour se la péter un petit peu. Je vous épate, je vous invite tous. Vous allez être surpris. On reste en restaurant. Ton invitation. En tout cas, vous pouvez retrouver cette astuce sur la page Facebook de La Quotidienne. Et bien, allez. Merci Farida.